You know, in Safran Electronics and Defense, our DNA is inertial navigation systems, and our DNA is also innovation. And this new equipment is really a brand new and brand specific. It has been specifically designed for the specific needs of the special operation forces. You know, these guys, they have to operate on the land and at sea, and this equipment is capable of the two kind of applications. It's very compact, so it can be fitted on a small boat, a high-speed boat. It can be fitted also in amphibious vehicles, you know, to pass from land to sea and from sea to land. This is the very specifics of this new equipment. Alors je trouve que ce travail qui a été fait avec, avec Safran et le Fuscolab, qui est l'incubateur et l'accélérateur d'innovation pour les forces spéciales mer, pour les commandos marines, c'est une très belle illustration de ce qu'on est capable de faire. Et ça illustre tout à fait les trois mots qui scandent le Fuscolab pour les commandos marines. C'est le volet un lieu, un état d'esprit et une communauté. Cet état d'esprit, il a été clairement au centre du travail qui a été conduit avec les équipes de Safran, plus les équipes de la force des fusiliers marins et commandos. Très clairement, en moins d'un an, on a réussi, à partir d'un simple coup de fil, de rencontre entre vos services et puis les unités qui sont chez nous et le Fuscolab, à pouvoir bien exprimer son besoin, voir ce que vous aviez en soute, sur étagère, comme produits à partir desquels on pouvait travailler, puis ensuite conduire des essais, d'avoir des itérations lors de ces essais pour améliorer le produit et faire qu'aujourd'hui, on est une centrale inertielle qui répond à nos besoins opérationnels dans un temps vraiment très court et que finalement les commandos marines puissent être équipés de ce genre de centrale inertie en moins d'un an par rapport au moment où l'idée a germé et qu'elle a pu débuter.